saluer toutes les organes et les organes, je salue tout le peuple bon Dieu qui est dans l'archidiocèse Port-au-Prince, acte partout dans le pays, tant que l'autre bord de l'eau. Nous connaissons en phase, nous avons préparé la fête Sainte-Rose et puis dédicace à l'église là. Nous voulons inviter toutes les organes et les organes, toutes les amis Sainte-Rose, donateurs, donatrices, tout le peuple bon Dieu qui est dans l'archidiocèse Port-au-Prince pour capable de venir célébrer ce grand moment ça avec nous. Nous allons parler donc de deux thèmes différents. Donc, premier thème, non, c'est reconstruction de l'église Sainte-Rose. Là. Donc, nous connaissons l'église qui était en reconstruction parce qu'elle était écrasée pendant le 12 janvier 2010. Là. Et bien, donc, grâce à l'effort, en pile monde, donateurs, nous avons qui soit aux États-Unis et puis avec fidèles l'église Sainte-Rose, donc amis Sainte-Rose, qui campaient, donc nous reconstruire l'église. Ça. Donc, normalement, lorsqu'on rentre dans l'église là, faut sentir que donc vous entrez dans l'église. L'église Sainte-Rose c'est un joyau. Nous sommes capables de voir que donc nous gagnons des lampes qui vraiment spéciales que donc nous fait commande qui installées dans l'église là pour allumage là. Donc c'est vraiment un bagage qui est intéressant. Donc nous avons un bel allumage et ensuite nous gagnons une question céramique. Donc nous travaillons sur au Kounia là. Donc c'est pour nous capables de vivre et embellir l'église là. Donc tout le monde est bien content de travailler ça. Donc c'est nous en phase de finition. Portes sont déjà installées, fenêtres sont déjà installées. Donc, sauf que donc, nous gagnons pour nous capables d'arriver à ajouter d'autres éléments dans la construction, tels que vitraux, tels que bancs, tels que système de sonorisation. Et nous avons installé un système audiovisuel tout dans l'église là pour permettre que donc, nous sommes tous capables d'arriver à vivre la messe là. Et puis, même mettre les messieurs sur Facebook, sur YouTube, tout bagaille pour en pile fidèle, en pile les organes qui vivent de l'autre côté. Capable de toujours connaître ce qui a passé ici dans l'église Sainte-Rose, les organes. Donc, nous avons besoin, nous avons gagné travaux pour nous faire dans clôture de l'église là, bon, travail ça qui pour qu'on finisse achever. Et toutefois, nous avons besoin d'aide ou encore. Et financement pour nous capable de mettre vitraux, pour nous capable de mettre bancs, pour nous capable de mettre système de sonorisation. Donc, comme ça, donc tout le monde qui est capable de vivre aider nous connaissons que nous avons un compte Zelle qui pour pouvoir cela, qui c'est Sainte-Rose de Lima, Haïti, à gmail.com. Donc, Sainte-Rose, c'est STEROSE2ELIMAHAITI. À commercial gmail.com. Donc ça c'est compte Zelle que donc nous gagnons et on monde capable faire un dépôt pour nous. Donc si toutefois que donc monde t'a voulu faire un dépôt pour nous et bien donc capable river aller sous compte nous pendant que sur la banque capable river utiliser voie ça soit CAM ou Unitransfer pour capable river faire un dépôt pour nous qui c'est dans compte ça 365 10 22 15 47 0 97. Ça c'est compte nous que donc nous capable de recevoir direct transfert donc depuis les États-Unis sous compte ça. Donc moi je voulais dire merci avec tout le monde, tout supporter nous yo, toutes les organes et organes, toute entreprise yo, toute institution qui aide nous dans cadre réalisation travail ça. Gain monde c'est conseil, gain monde c'est temps, gain monde c'est moyens financiers yo. Donc tout bagage ça yo donc nous pas capable oublier yo et nous connaît bien bon Dieu pas ingrat. Tout ça au bail ou gain pour capable de recevoir ça au centre plan. Et nous mandons au support, nous mandons au faire tout ce qu'on est capable et pour nous capable d'arriver vraiment mettre un sanctuaire qui est vraiment agréable à Dieu et qui est capable d'arriver vraiment permettre que donc nous chanter la gloire de Dieu et tout ça que donc nous fait quel que soit n'a célébrer la messe et bien donc nous célébrer la messe tout dans l'intention tout le monde qui supporte nous. Nous sommes capables de dire que le 23 c'est date que donc Monseigneur et ensemble avec les paroissiens yo mettez pour capable d'arriver et dédicacer l'église là. Dans ce sens, ça, nous croyons que le travail qui est fait, nous avons dit que le travail est réalisé, je dirais, à 90%. Donc après, dédicace là, nous sommes obligés de dégager les fonds, frapper l'autre porte pour nous capables de garder comment nous capables de mettre vitraux dans l'église là, qui pourrait coûter une valeur donc, de 70 000 $ pour la quantité de vitraux que donc, nous gagnons. Et ensuite, nous gagnons la question d'ameublement, bon, et puis fourniture pour la sacristie. Donc nous. Pour qu'on capable river mettre bagaille ça yo parce que nous pas gagne moyen financier pour ça donc nous besoin 172 bancs mais seulement nous gagnons et fidèle paroisse là qui déjà fait donation de 25 bancs déjà donc normalement pour un prix un banc c'est $450 américains que l'écouter mais c'est gouverné avec atelier qui fait là parce que par rapport avec cherté toute bagaille yo donc demander nous plus pour ça donc de toute façon on a besoin de support en pile l'autre monde pour nous être capable de vivre vraiment mettre banc mettre vitraux donc toutefois
moi ta remédi que nous gagnons l'église qui est construit dans l'Éogane. C'est vraiment ça fait fierté toute l'Éoganais, l'Éoganaiso et c'est effort tout monde. C'est dégoûter chaque monde, c'est ça chaque monde gagne. Gagne monde qui bail petit, gagne monde qui bail gros, mais nous considérer que donc toute l'Éogane participer dans la reconstruction de l'église là. Et moi voulais attirer attention nous tout que donc l'église Sainte-Rose de l'Éogane donc il était arrivé dans le passé subi d'un premier choc, premier tremblement de terre. Donc nous connaît que en 1751 première l'église qui était là, elle était arrivée pour un choc. Et puis en 1776, il y a eu l'autre tremblement de terre qui est arrivé à craser l'église là complètement. Elle était arrivée reconstruite et c'est ça qui était reconstruit là, qui vient de tomber le 12 janvier 2010 là. Donc nous sommes capables de dire que donc, les nouvelles églises là, que donc, nous avons sont l'église parasismique et anticyclonique. Donc en ce sens, c'est l'église qui offre Mounio toute sécurité qu'il a besoin pendant que donc rassemble la donne pour la capable la prière. Nous connaissons quand même son produit et matière. Matière qu'il y a, donc il est capable d'arriver un jour pour le finir, mais il y a un nombre d'années qu'il construit. Il y a un nombre d'années qu'il construit. Après, appelez-nous tout pour me dire que donc, l'église Sainte-Rose, c'est là, c'est dans l'église ça. Et Jean-Jacques Dessalines, fondateur national, il était marié avec Madame Nicolaire Heureuse. Donc peut-être que donc, pour l'histoire, pour le monde qui ne pas connaît, donc l'église Sainte-Rose, c'est l'église qui connaît arriver habitué réunir, gros activité. Hein? Gros activité. Le 23, l'a inauguré, et puis. Nous occasion ça c'est fête patronale là. Pour fête patronale là donc nous organiser toute une série d'activités, activités spirituelles pour capable arriver aider fidèles yo préparer grand jour fête ça. Et activité que donc nous gagnons actuellement là c'est 9 ans qu'a continuer. Bien avant nous était en gagne une mission paroissiale que nous était passé dans 6 quartiers différents, nous t'a faire évangélisation, mais c'est 9 ans n'a fait collier là. Donc après 9 ans qu'a clôturer le 21, 22 séjours de préparation pour arriver mettre et tout ça nous besoin mettre dans l'église là pour comme logistique pour accueil monde fidèle yo qu'a venir participer dans messe dédicace l'église là avec fête Sainte-Rose là. Donc ça c'est pour le 23 et n'a continuer durant toute semaine dans cap venir qui jour qui venir après yo n'a toujours gagné d'autres activités telles que vendredi 26 en août n'a gagné fête Notre-Dame de Tsestokova, nous gagné dévotion ça que donc nous développer dans paroisse là c'est le matin à 7h et puis donc dans l'après-midi n'a gagné Sainte-Rose des malades toutes maladies nous pour aller chercher au la caillo n'a rassemblé avec l'église là n'a fait confession pour yo n'a célébré la messe avec yo et puis donc n'a partagé manger avec yo. Ça, c'est pour le vendredi 26. Donc, dimanche 28, nous avons gagné une belle célébration encore. Nous avons gagné une première messe à 6h. Et puis, nous avons gagné Sainte-Rose des enfants, une deuxième messe, qui a célébré à 8h. Après messe, nous avons rassemblé dans l'église là, dans l'hangar, l'église là, pour nous capables de partager un repas avec Timounio, pour nous faire sentir que nous sommes membres de la communauté à tous, c'est fête la caillou, il faut que nous fêter avec nous. Pour nous capables de continuer avec l'activité fête. Donc, de l'après-midi du 28, nous avons gagné un concert paroissial qui a réuni plusieurs chorales dans la paroisse là. Et puis avec d'autres chorales amis qui ont sorti, donc d'ailleurs, qui viennent participer avec nous dans un grand concert ça. Donc ça, c'est pour le dimanche 28. Lundi 29, nous avons gagné et activité côté que donc nous gagnons statut Sainte-Rose là qui est écrasé. Donc nous gagnons un nouvel statut, nous gagnons une procession qui a commencé depuis dans l'église Saint-Vincent de Paul qui est dans Signo, la chapelle là et puis donc on a fait procession donc dans les rues, on a gagné reposoir et pendant un parcours ça et puis c'est là donc on a gagné avec Sainte-Rose, on a débarqué dans l'église là pour nous capable arriver introniser Sainte-Rose qui est elle-même qui lui-même patronne et paroisse. Donc le 30 outre, nous avons gagné à 6h le matin une première messe, à 9h le matin encore, nous avons gagné une deuxième messe. C'est pour nous capables de continuer fête Sainte-Rose là. Fête Sainte-Rose là pour permettre que, donc, normalement, tout le monde arrive vivre la célébration. Donc, nous connaissons que nous avons gagné une différence autrefois. Le monde qui dit, bon, ok, donc Sainte-Rose c'est le 30, l'autre qui dit Sainte-Rose c'est le 23. Mais nous connaissons que dans le calendrier liturgique de l'église là, fête Sainte-Rose c'est le 23. Donc, nous gagnons Sainte-Rose et l'autre célébration, Action de grâce en l'honneur de Sainte-Rose, nous avons célébré encore le 30 et c'est là nous allons gagner vraiment belle activité, nous allons gagner la messe. Le 31, nous avons gagné une activité culturelle que donc nous baptisons Festival Sainte-Rose. Donc dans ce sens ça, nous invitons Mounio pour capable arriver et aller dans Juventud là pour nous capable arriver participer dans un grand festival ça avec tout artiste léoganais.
Donc dans ce sens ça, gagne un frais de participation pour mon payer. Donc si on a Haïti, on va payer 500 gouttes pour capable pour qu'il ait un 4 et si on la bateau capable river acheter un 4 pour une famille pour un monon et au prix donc de 5 dollars américains et on capable river faire dépôt ça sous elle qui c'est compte paroisse là et pour nous capable river vraiment continuer collecter l'argent pour nous capable river et continuer reste travail l'église là. En ce sens, moi voulais dire nous et vraiment merci, moi compter sur générosité nous, sur contribution nous pour nous capable river organiser fête là, pour nous capable river finir reste travaux Saint-Rosio et pour nous capable vraiment continuer travail pour on les organes qui est encore plus belle et qu'on sache capable river faire la joie en tout le monde. Merci.